Notre ville aujourd'hui a un gros déficit d'attractivité. Il faut absolument que l'on redynamise l'image de notre ville et notre ville. Et c'est ce qui nous a entraînés à dire il faut faire quelque chose. Et donc je ne vois pas comment je peux payer le gaz de ville. J'ai reçu le chèque énergie et je n'ai aucune facture de gaz de ville. Est-ce que vous pouvez me renseigner ? Les gens s'enlisent dans les difficultés tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en sortir ou qu'ils ne trouvent pas les portes pour les aider. Donc en fait, j'ai ouvert quelques portes et je me suis aperçue que ça fonctionnait. Mais depuis quelques mois, donc, j'ai rencontré l'équipe Action Ruralité d'En Marche et donc qui nous a donné des outils pour améliorer en fait notre connaissance de ce que l'on peut faire pour les habitants de Saint-Amand et en général. Action Ruralité a été une vraie opportunité pour notre groupe puisqu'on a fait le constat que Saint-Amand-Moron avait des atouts et des talents mais qui finalement étaient frustrés par l'absence de réponse. On a tous envie quelque part de faire quelque chose mais Action Ruralité nous a apporté, je dirais, la motivation, l'organisation et puis le petit coup de pied aux fesses qui fait qu'on avance. Et puis l'équipe Action Ruralité donne aussi une plus grande ampleur à l'entraide que je faisais un peu en solitaire.